12 février 1942. Ma patrouille est en stand-by, c'est-à-dire prête au décollage. Hier, nos voisins tchèques du 310e sont tombés sur un Heinkel 111 alors qu'ils rentraient d'un sweep en France. Espérons que nous aurons la même chance. Nous sommes brêlés dans nos spits, mon coéquipier et moi, et tout semble endormi autour de nous. Puis tout s'anime. Scramble! Deux fusées rouges partent de la tour. L'hélice broute, puis démarre. J'appelle la tour qui répond aussitôt. Que se passe-t-il? Le train refuse de rentrer. Jacques, mon ailier, a compris ce qui se passe. J'essaye encore de rentrer le train, mais rien ne se passe. La température moteur augmente, car la jambe du train couvre en partie le radiateur. La mort dans l'âme, j'appelle le contrôleur pour qu'il envoie une autre patrouille. Il me répond. L'ennemi a disparu. Finalement, je me pose sans problème. Ce sera pour une autre fois. 15 février. Coup de fil à Spy, l'officier de renseignement de l'escadrille, pour qu'il nous organise un petit survol de la France. Mais qu'est-ce que vous allez foutre là-bas? Il rit quand je lui réponds qu'on va chercher un peu de soleil. Briefing rapide avec Blondie, l'ami fidèle. Cap au 180 à basse altitude. En cas de pétard, altitude maxi, et fréquence D for Dog. Pas de radio sans nécessité absolue. C'est parti pour 35 minutes de traversée.
et la côte apparaît. Les ordres sont de ne pas la survoler, mais c'est vraiment trop tentant. Survole ce qui ressemble à une ferme, mais je vois un disque noir, un radar au milieu de sa station. Blondie, target ahead. Mes coups ont porté. Ceux de Blondie aussi. La flaque se réveille. Nous plongeons au ras de l'eau. Blondie, you are okay? Willy the Spy nous rejoint après l'atterrissage. Qu'est-ce qui s'est passé les gars? Je croyais que vous aviez ordre de ne pas survoler la côte. Bon, je téléphonerai au contrôleur pour lui dire que vous êtes tombé par hasard sur un radar.